Je ne parlerai pas en lituanien, je ne connais pas la langue. En tout cas, merci de m'accueillir dans votre pays. C'est la première fois que je viens ici, même si je rencontre certains enseignants justement de français qui viennent se former à Nantes, en France, pendant l'université d'été, des métiers du français dans le monde. Donc j'ai l'occasion de travailler notamment avec eux sur des programmes d'éducation aux médias d'information, puisque c'est la mission principale qui m'est confiée, de façon à ce que je puisse travailler auprès des enseignants de différentes manières. Alors, je vais avoir une approche un peu théorique dans un premier temps, et ensuite, après le lunch, on aura l'occasion de voir un peu plus concrètement comment on peut mettre en place des activités d'éducation aux médias de formation dans les classes. Nous intervenons à tous les niveaux, dès l'école primaire jusqu'à l'université, dans toutes les disciplines et sur tous les supports. Et c'est vrai qu'une des missions principales du PMI, qui est une structure de l'éducation nationale française, est bien de mettre en place des actions de formation auprès des enseignants, mais pas que ça, tout le système éducatif français. Donc, vous voyez que ce qui est compliqué, c'est que ce n'est pas une discipline en tant que telle. L'éducation aux médias, il va falloir l'intégrer dans les différents apprentissages, et ce n'est pas quelque chose qui doit se faire en plus, c'est quelque chose qui est intégré dans toutes les pratiques professionnelles des enseignants. En tout cas, c'est une des missions pour laquelle je m'attache. Alors, quand on dit la mission principale est de travailler sur l'ensemble du système éducatif, c'est que bien sûr que ce travail qui est confié à l'école ne s'arrête pas quand les élèves sortent de l'école, ils continuent également chez eux. Donc on inclut les parents, on inclut les associations qui vont aller dans ce même sens. L'idée étant de développer ce qu'on appelle l'esprit critique. Alors, qu'est-ce que développer l'esprit critique ? C'est là peut-être que c'est un peu compliqué à expliquer. Je crois que c'est tout simplement donner quelques éléments à nos élèves pour comprendre comment fonctionnent les médias, qu'ils puissent prendre un peu de distance, qu'ils s'interrogent, qu'ils se questionnent, qu'ils puissent douter, et puis qu'ils puissent avoir des réponses argumentées. Donc tout l'enjeu est là, c'est-à-dire mettre en place des activités pour que nos jeunes, enfants ou étudiants, puissent avoir un regard distancié par rapport à cette information. Alors, chez nous, cette structure éducation nationale est implantée à Paris et puis dans les différentes régions. Moi, je représente le sud de la France ici, mais je suis aussi un expert au niveau international, donc j'interviens dans différents pays. Mon public est plutôt un public de professeurs de français, langue étrangère, mais aujourd'hui, évidemment, tout travail qui se fait en termes d'éducation aux médias peut se faire dans n'importe quel pays et dans n'importe quelle langue, avec évidemment les spécificités de chaque pays. Alors, nous avons, nous, en France, ce qu'on appelle alors pas qu'en France, parce que c'est un socle qui est mis en place pour l'Europe, un socle commun de connaissances et de compétences. Depuis 2006, on essaie de mettre en place justement un certain nombre d'éléments dans lesquels on va essayer de trouver les entrées possibles en termes d'éducation aux médias. Pour cela, le socle de connaissances et de compétences, c'est ce qu'un élève de 16 ans, je crois que dans votre pays, la scolarité obligatoire, ça va être aussi à 16 ans, ce qu'un élève doit savoir au minimum en termes de connaissances dans le domaine, en tout cas, qui me concerne, moi, l'éducation aux médias. Alors, ce socle est défini avec un certain nombre de piliers. Il y a notamment des entrées facilement possibles. Donc, vous voyez que je vois sur la diapositive qui a été traduite, je voudrais que ça correspond à ce que j'ai pu donner.
bien sûr qu'on est déjà sur la maîtrise, alors pour nous la langue française, mais on est sur la maîtrise de la langue parlée dans le pays, puisqu'on va utiliser des supports médiatiques, et notamment à travers sur l'actualité, qui est dans la langue du pays, donc qui utilise les codes et qui vont permettre de travailler sur la compréhension et sur la variété des supports possibles. Deuxième entrée, les médias, l'évolution des médias font que nous sommes sur des entrées très techniques, technologie de l'information et de la communication. Mais cette technologie de l'information et de la communication, ce ne sont que des outils. Tout reste à construire en termes d'usage pédagogique. Et là, ce qui est intéressant, c'est de réfléchir à quels usages pédagogiques je vais faire de ces technologies de l'information et de la communication. Alors nous avons une autre entrée qui est ce qu'on appelle la culture humaniste. Ça englobe tout ce que un élève, un futur citoyen d'une société, puisse avoir comme comportement pour prendre parti à la cité. Comment est-ce que je travaille dans ma société, comment est-ce que je suis, moi, citoyen, dans mon pays, dans ma ville. Donc ça fait partie d'un certain nombre de connaissances qui me semblent être très, très, très importantes et très utiles. Ensuite, alors, je ne sais pas si dans nos structures, il existe ce qu'on appelle l'éducation civique, hein, mais chez nous, nous avons une grosse entrée autour des compétences civiques et sociales, de façon à être sur ces thématiques-là, et notamment, je précisais que le CLIMI travaillait sur l'ensemble des systèmes du système éducatif, comment distinguer ce qui se fait en termes de pratique à l'école et ce qui se fait en termes de pratique personnelle, privée. Et parfois, d'ailleurs, c'est là où tout l'enjeu de l'éducation est, nos élèves sont un peu décalés entre ce qu'ils apprennent à l'école et ce qu'ils font chez eux. Leurs pratiques sont un peu différentes. Donc tout l'enjeu est de travailler sur des supports médiatiques que les jeunes lisent, que les jeunes regardent, que les jeunes écoutent. Difficulté. D'autant plus qu'avec les technologies maintenant, on sait bien que Twitter, Facebook sont des éléments supplémentaires, hein, tout ce qui est de l'ordre des réseaux sociaux existants ou qui vont exister. C'est un domaine qui explose, hein, qui grandit énormément. Comment est-ce que ça fait éruption dans une vie de jeune, et comment nous, enseignants, on peut se préparer à travailler autour de ces réseaux sociaux. Donc, vraie difficulté. Ensuite, on est sur une autre entrée qui est là, et plutôt de l'ordre des attitudes qu'on met en place dans une classe pour que nos élèves puissent travailler autrement. On est là sur l'autonomie, sur l'initiative, sur... puisqu'on parle d'information, d'actualité, comment est-ce que je fais pour m'informer, moi, citoyen ? On considère que ça fait partie quand même de la vie de tout citoyen que de s'informer au minimum, d'avoir une ouverture sur une culture générale. Alors certes, par le regard, par l'objectif des médias, mais en même temps, c'est quand même un regard. Nos élèves, dès le plus jeune âge, nos enfants aussi, sont... devant la télévision, avant même d'apprendre à lire. Donc, ils ont déjà une espèce de culture de l'image dans la tête, avant même de commencer à apprendre à lire à l'école. Donc, vous voyez que l'enjeu est assez important, et pour s'y atteler, il va bien falloir trouver des solutions, et une des missions principales du CLIMI, c'est de mettre en place des formations auprès des enseignants, de façon à ce qu'ils puissent mettre en place dans leur classe ces activités liées à l'éducation aux médias d'information. Alors, je vais essayer, là, dans un premier temps, de vous expliquer comment, quel intérêt on peut avoir de travailler en classe avec des médias d'information. Alors, quand je parle de médias d'information, on est bien d'accord, je parle de journaux, papier, support papier, mais également maintenant des nouvelles technologies de journaux en ligne. Je parle également de la télévision, notamment l'actualité, le journal télévisé, comment est-ce qu'il est construit par exemple, le journal radiophonique et tous les médias existants autour des sources de l'information.
Alors, première approche, pardon, c'est sûr que utiliser les médias, alors moi, quand je fais ma première approche, je dis qu'on est en contact avec une langue française vivante, mais c'est la langue du pays. Je vais travailler sur les médias de mon pays, donc je suis en contact déjà directement avec la langue de mon pays, qui est une langue actuelle et qui véhicule un certain nombre d'éléments autour de la culture. Premier élément, je l'ai évoqué tout à l'heure avec les enfants dès le plus jeune âge, les élèves sont en position de récepteur. Ils reçoivent ces images en télé, quand ils passent dans la rue ou quand ils vont chez un marchand, ils voient des journaux. Donc, quoi qu'il arrive, ils sont confrontés à ces médias. Donc, ils lisent, ils écoutent, ils visionnent des documents, que ce soit en français ou en langue étrangère ou dans n'importe quelle autre langue. Dans tous les cas, ils vont essayer de comprendre ce qui se passe et ils ont un regard très particulier. Alors, c'est l'occasion de s'ouvrir à plusieurs cultures, à avoir une ouverture sur le monde par le prisme des médias, hein, par l'objectif des médias. Donc là aussi, il faut travailler sur cette notion-là. Et c'est aussi une manière d'entrer en classe dès l'école primaire, par exemple, autour du débat, autour d'un sujet d'actualité dont les enfants ont pu entendre parler à la télévision, à la radio, que les parents emmènent ses enfants à l'école, par exemple. Ce sont des sujets qui interrogent nos élèves. Ils arrivent en classe avec un certain nombre d'interrogations. Alors, parfois c'est brouillé, parfois c'est un peu compliqué. Donc on peut travailler de manière orale, déjà en classe, sous forme de débat. Alors, bien sûr que l'introduction des médias en classe permet, oui, de travailler sur une langue authentique. Elle replace vraiment la langue dans son contexte culturel. Et surtout, au-delà de tous ces premiers éléments que j'expose, on est là sur le fait de... On manipule dans le bon sens du terme, hein, la langue apprise, avec un langage particulier, qui est le langage utilisé par les médias et par ceux qui fabriquent cette information, qui sont en partie des journalistes, mais pas que. Deuxième entrée possible, alors je vais essayer de suivre, parce que moi j'ai... Je ne lis pas l'ukrainien, donc il faut que je sois en cohérence avec ce que je dis. Voilà. Une entrée qui est autour de l'éducation à la citoyenneté. Vraiment, on est dans l'idée de développer une attitude responsable dans l'utilisation des médias. Souvent, on dit que les collégiens, que les lycéens, eux, sont très au fait des nouvelles technologies. Bien sûr, qui dominent. Ils savent utiliser un ordinateur, ils savent utiliser leur smartphone, leur iPhone, ils savent télécharger des vidéos sur YouTube, mais ils ont peut-être techniquement un certain nombre de compétences, mais ils ne se posent pas forcément les questions, ils n'ont pas forcément un recul par rapport à leur propre pratique de consommation médiatique ou de pratique de communication. D'ailleurs, pour eux, c'est aussi, et notamment dans la construction de l'identité adolescente, hein, c'est aussi une manière d'avoir contact avec sa tribu, dans le bon sens du terme. On va utiliser un certain nombre de réseaux sociaux. Les conversations qu'on peut avoir à l'école, qu'on peut avoir au collège ou au lycée, on va les continuer sur le réseau social et qu'on se connecte le soir. Les réseaux sociaux font partie maintenant de la construction des différents médias et de la construction professionnelle faite pour les journalistes. Donc il faut aussi prendre en compte cette dimension-là. Alors, j'évoquais tout à l'heure qu'il y avait à faire un travail autour de ces notions d'espace public et d'espace privé, qui sont parfois, pour les élèves, des notions qui sont un peu floues. Ils confondent quand ils vont publier sur Internet des photos intimes de soirées qu'ils ont pu avoir entre eux, ils ont l'impression, parce qu'ils vont le publier sur Internet, qu'il n'y a que qu'ils les lisent, mais ils ne se rendent pas compte qu'on rentre dans un domaine public et que du coup, il y a un certain nombre de lois, un certain nombre de règles. Vous aviez en amont une conférence sur la déontologie, il y a une certaine forme de déontologie
le respect vis-à-vis de la légalité à avoir sur toute production que l'on met en place autour de ça. Donc, et d'autant plus que maintenant nos jeunes délaissent un peu ce qu'on appelle les médias traditionnels, en tout cas c'est le cas pour la France, je ne connais pas les études qui sont faites sur la vie de famille, mais les jeunes ont tendance à lire de moins en moins les supports papier. Les journaux, par exemple, sont de moins en moins lus, donc c'est une difficulté. Par contre, ils vont se tourner un peu plus vers les médias en ligne, ils seront beaucoup plus d'ailleurs sur des médias, des agrégateurs d'informations qui ne sont pas des médias. Je pense à Google, par exemple, Google News, hein, où alors, il y a tout fournisseur d'accès maintenant à son propre programme d'agrégation d'informations, mais ils ne sont pas producteurs d'informations. Ils vont utiliser des petits bouts d'informations, ce qui sont faits par d'autres, et souvent les jeunes ne se contentent que de ça. Donc l'idée, c'est aussi de les ouvrir, de leur montrer qu'il existe autre chose, que pour s'informer, il ne suffit pas d'avoir une seule source, mais d'ouvrir sur plusieurs sources, et qu'il y a différentes formes de travaux en termes d'actualité. Je pense notamment à tout le travail qui peut se faire en termes d'investigation sur tel ou tel sujet, par exemple. Alors, l'idée aussi, à travers cette éducation à la citoyenneté, c'est de rendre ces élèves acteurs de la construction de l'information et du coup les mettre en situation de production. Ils produisent leurs propres médias. Ils vont réaliser un journal papier dans les règles journalistiques, c'est-à-dire qu'il va falloir définir des sujets, il va falloir choisir de quel sujet on parle, si on est sur un support papier. La question va se poser sur le net, mais un peu moins sur la place, puisque le net permet de publier beaucoup d'espace, beaucoup de choses. Qu'est-ce que je publie? Qu'est-ce que j'accompagne dans mon écrit? Est-ce que je mets une photo? Est-ce que je mets un dessin de presse? Est-ce que je mets de l'infographie? Donc, vous voyez, tout un travail de réflexion en termes de production qui permet de vraiment maîtriser, du coup, de décortiquer comment fonctionnent les médias pour être propre producteur de l'information. Et surtout, nos jeunes ont aussi des choses à dire. Une des missions du CNI, la structure pour laquelle je travaille, c'est de favoriser l'expression des jeunes. Alors, il ne s'agit pas, évidemment, d'en faire des élèves qui vont parler comme ça, n'importe quand, n'importe comment, et sans réflexion commune. Il s'agit bien là de leur permettre de prendre la parole en société, dans l'école, mais sous un certain nombre de règles, sous une forme de législation, sous une forme de sujet, de déontologie. Je pense que ce matin, enfin, vous avez évoqué la déontologie l'éthique. Donc c'est important de se poser ces questions en termes d'éthique et de responsabilité par rapport aux productions que l'on fait. Ensuite, il y a tout le travail qui se fait en termes de confusion entre ce qui est de l'ordre de l'information et de la communication. Les barrières sont de plus en plus floues. Un travail honnête qui a été fait avec déontologie par un journaliste, c'est de rendre compte de le fait à travers les mots choisis pour être le plus neutre possible. Je ne vais pas dire le plus objectif, parce que l'objectivité du journaliste n'existe pas. À partir du moment où il choisit les mots, il n'y a aucune objectivité. Le fait de choisir tel ou tel mot a déjà une influence sur ce que l'on veut dire. Mais on peut parler par contre d'honnêteté du journalisme, de rendre compte très clairement des faits exposés. Donc, ce travail est important. Cette notion, la communication, c'est encore autre chose. Certes, c'est une forme d'information, mais qui est au service, par exemple, d'un laboratoire pharmaceutique ou d'une structure politique ou quoi que ce soit. Hein, mais non, c'est un peu compliqué à faire cette différence entre information et communication, mais ça me semble essentiel. Alors, et de plus en plus, alors, je ne sais pas dans le pays, parce que je ne regarde pas la télévision lituanienne, mais souvent chez nous en tout cas, il y a des vraies confusions maintenant entre les émissions à la télé, d'information, de divertissement, on mélange des hommes politiques dans des
l'éducation, où est l'information, où est le divertissement. Et ça, il faut trouver un certain nombre de repères pour comprendre comment cela fonctionne. Alors, il y a une autre entrée également, hein, bien sûr, c'est tout ce qui est dehors des mentions légales, mais ça, je l'ai déjà évoqué, vous avez bien compris que tout ce qui était lié au droit, au juridique, évidemment, ça compte. On ne peut pas tout dire dans un journal, on ne peut pas tout dire dans un espace public, que ce soit sur Internet, que ce soit à la radio ou à la télévision. Il y a des lois, et dans le pays, c'est le cas, appel à l'aide raciale, injures, diffamations, sont des éléments importants sur lesquels nous travaillons pour sensibiliser les jeunes dès le plus jeune âge. Ensuite, l'autre entrée est du ordre de l'actualité. Si je rends compte d'un fait, je n'ai pas le droit d'inventer des faits qui n'existent pas. La rumeur chez nous est punie par la loi. L'utilisation, alors, il y a chez nous un droit à l'image. Vous voyez, par exemple, je suis filmé pour être mis sur une plateforme d'accueil numérique. J'ai donné mon autorisation pour que cette image puisse être publiée, puisque ça va tomber dans le domaine public. Bah, chez nous, c'est très strict à ce niveau-là aussi, hein, puisque toute image publiée d'une personne dans l'espace public doit être sujette à une demande d'autorisation de publication de son image. C'est ce qu'on appelle le droit à l'image. Après, il y a d'autres droits existants qui sont des droits spécifiques à la presse. Alors, le droit de la presse existe aussi par rapport à l'histoire de son pays. Chez nous, l'article qui fait référence en termes de droit de presse, c'est la loi de la presse de 1881. Donc, on est toujours sur ces mêmes lois, ce qui est quand même incroyable, hein. C'est très vieux, ça a été réactualisé, bien sûr, avec des nouveaux supports, mais on reste sur les mêmes principes de base que 1881, date des premiers journaux, et encore, il y avait des journaux existants bien avant, mais au Moyen-Âge notamment, mais on date à peu près la presse en France autour des années 1800. Donc, vous voyez qu'on reste sur des principes de base très simples, quelles que soient les technologies qui avancent ou pas. Autre axe important, c'est que faire comprendre justement aux élèves le rôle que les médias tiennent dans la société et montrer comment est fabriquée l'information. C'est pour ça que j'évoquais le fait de mettre en situation nos élèves en situation de production, leur permet de comprendre du coup, parce qu'ils sont passés par ces phases de production, de comprendre comment est construite cette information. Donc, il y a des règles très précises, des règles d'écriture spécifiques, une écriture journalistique typique. On écrit pour être lu, on n'écrit pas pour faire plaisir à un professeur, ou pour montrer qu'on a bien appris sa leçon. On écrit quand on travaille sur les médias et quand on est producteur de médias, on écrit pour une cible, pour un public ciblé. Donc on n'écrit pas de la même manière si on s'adresse à des enfants de 10 ans ou si on s'adresse des enfants de 15 ou 16 ans. Les centres d'intérêt ne sont pas les mêmes. Donc il y a des écritures spécifiques, des codes particuliers et des choix de rédaction qui vont dépendre de la ligne éditoriale que l'on s'est fixée. On fonctionne comme les vrais médias fonctionnent. Et nous avons dans nos programmes en France également la possibilité de produire pour des vrais médias, c'est-à-dire que des classes, des élèves écrivent des articles qui sont publiés dans les journaux, distribués normalement, soit des journaux quotidiens, soit des hebdomadaires, mais qui sont distribués naturellement. Donc du coup, ça demande une qualité d'écriture, une exigence de production presque pratiquement professionnelle. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec des élèves, par exemple, dans des classes où on produisait des reportages d'actualité diffusé à la télévision française. Mais vraiment, c'est une situation de production avec toutes les contraintes et de comprendre tout l'envers du décor. Comment fonctionne tout ça? Vous voyez que l'enjeu de l'éducation aux médias, c'est très vaste. On n'est pas que sur je prends un journal et j'utilise ce journal dans mon cours. Je me questionne aussi sur tout l'amont, tout ce qui est de l'ordre de la production et l'aval, tout ce qui est de l'ordre de la diffusion. À qui je m'adresse? Pour quel public j'écris, quelle est la directorielle du journal.
ou du média en ligne, télé, radio ou quoi que ce soit. Alors, je vérifie que ça correspond à ce que j'ai. Oui. Donc du coup, bien sûr que là je reprends un peu de manière en forme de synthèse ce que j'ai déjà présenté là, mais toutes ces notions-là, est-ce que ça correspond bien à ce que je dis là? Non, je suis en termes décalement peut-être. Ça c'est le troisième ou pas? Oui, d'accord. Parce que du coup, je ne sais pas si ça correspond ou pas. Ça, c'est... Excusez-moi, monsieur, on est sur quoi ici? Parce que je suis désolé, je n'ai pas de repère. Hein. C'est compliqué pour moi parce que je n'ai pas de repère. En français, vous pouvez me traduire ce qu'il y a écrit? Sensibiliser aux notions de source et de fiabilité. D'accord. Donc, autre entrée, hein, du coup, bon, c'est bien, c'est exactement là où je pensais qu'elle était. La notion de source et de fiabilité est une notion extrêmement importante. Extrêmement importante parce qu'on va se poser les questions de la source dans toutes les disciplines. Je pense par exemple aux professeurs d'histoire, aux professeurs de sciences, aux professeurs de physique, qui se posent déjà la question de la source du document que l'on va utiliser dans son cours. D'où me parle-t-on? D'où sort ce document? Est-ce que je suis capable de donner la source de l'outil que j'ai en face? Alors vous imaginez bien qu'avec Internet, cette notion de sensibilisation, notion de source et de fiabilité d'information, c'est encore plus compliqué. Parce qu'on est sur une surabondance d'informations, et donc il faut se poser un certain nombre de questions, et trouver sur telle ou telle publication les bonnes entrées pour être sur les mentions légales. Est-ce que je suis capable d'identifier qui me parle et qu'est-ce qu'on veut me dire? On sait aussi que très souvent, maintenant, notamment avec les nouvelles technologies, les sources d'informations ne sont pas que des sources journalistiques. De plus en plus, le citoyen, le lambda, n'importe quel citoyen, participe, est de plus en plus actif dans la construction d'informations. Parce qu'il aura filmé avec son téléphone portable tel ou tel événement, parce qu'il aura pris une photo d'un accident, par exemple, le journaliste n'était pas présent. Et donc, on va chercher ces sources-là pour rendre véridique un fait. Donc, du coup, ça pose la question aussi du coup, de comment est-ce que les journalistes fabriquent leur information? Comment est-ce qu'ils la fabriquent? Donc, il est évident que là, le rôle du journaliste, c'est à lui de vérifier l'arrivée de ces images d'amateurs pour être sûr que le fait soit vrai, que ce soit pas de la rumeur, que ce soit pas une fausse information, et surtout comment est-ce qu'il va utiliser cette production pour pouvoir en rendre compte, évidemment, dans le domaine public. Donc, vous voyez que là, ce sont des notions qui sont assez compliquées. Mais qui sont indispensables. À mon avis, s'il n'y avait qu'un travail à faire en termes d'éducation aux médias, c'est de se poser la question de la source. Je suis sur un tel site internet, est-ce que je suis capable d'identifier qui me parle? Est-ce que je sais où je suis? J'ai déjà des indicatifs, ne serait-ce que dans l'adresse que l'on voit dans le navigateur internet. Mais ça ne me suffit pas. Je suis sur telle ou telle information, est-ce que je sais qui me parle, qui a écrit? Ça, c'est extrêmement important, se poser la question de qui m'écrit. Ça me semble être la base de tout ce travail-là. Et donc là, évidemment, déjà commencer à se poser ces questions, c'est déjà rentrer dans une démarche d'esprit critique. Alors, là, du coup, je pense que je vais changer de diaporama. Cette diapositive. Donc là, je reprends évidemment ce travail en disant que travailler sur les médias, c'est aussi travailler sur le pluralisme. En tant que pédagogue, il est important de leur montrer qu'il existe telle offre médiatique. Après, c'est à eux à choisir en tant que citoyens ceux qui décideront de lire ou pas. Mais déjà, de leur montrer qu'il existe une offre assez large.
d'accord, vraiment travailler sur la notion de pluralisme et de diversité d'information. Il faut se poser, ça je l'ai expliqué, la question de la production, donc en passant soi-même par des situations de production, je veux comprendre de mieux en mieux, hein, et évidemment, savoir évaluer la partie subjective de toute information, ce qui me semble important, donner une forme de méthode, quelque chose d'un peu d'automatique, quand je suis sur tel ou tel site de presse, il y a un certain nombre d'éléments que je fais de façon à être le plus efficace possible dans ma recherche. Alors, peut-être est-ce qu'il y a un certain nombre de questions posées. Alors, par rapport à cette première intervention, je vais revenir après sur d'autres manières d'utiliser les médias en cours. Quelles sont les raisons que je pourrais avoir pour utiliser les médias en cours? Est-ce que déjà il y a quelques questions qui peuvent pointer? Je pense qu'il y a un micro qui circule dans la salle. Vous parliez très fort. Nous avons aussi. D'accord. La question. Labai norėčiau paklausti, nors turbūt mokytojai daugiausiai turėtų klausti šiandien, kaip padedate įtikinti mokinius, kad gera yra tai, kas negreitai sukuriama ir negreitai vartojama? C'est très difficile. Ce qui est compliqué, c'est justement de ne pas dire, de ne pas être un directeur de conscience, de ne pas dire, lisez tel média parce que c'est bien mieux. Ne lisez pas tel média parce que c'est pas bien pour vous. Il faut arriver à démonter le fonctionnement, à essayer de rentrer dans la partie économique des choses, c'est-à-dire que l'économie explique aussi les choses, et puis d'essayer de comprendre quel est l'intérêt de tel ou tel groupe à qui appartient le journal d'information ou telle télé ou telle radio, quels sont ses enjeux pour lui. Et puis on voit bien en comparant beaucoup d'informations, par exemple, moi je fais travaux au niveau de la presse écrite, par exemple, en comparant les unes de journaux, on voit bien que très souvent, on a les mêmes informations qui reviennent. Donc se poser la question des sources, se poser la question de comment est-ce que les journalistes s'informent pour rendre public cette information-là. Tout le travail, par exemple, autour des dépêches d'agence, des structures qui sont là pour éditer des dépêches d'agence, qui sont le fait qui vont déclencher un travail d'écriture, peut se faire autour de ça. Et puis du coup, sur tel ou tel sujet sur lesquels je ne suis pas informé, il faut que j'arrive à trouver des médias qui, eux, dans leur fonction, vont faire un travail beaucoup plus approfondi, qui sera un travail sur le plus long terme, et beaucoup plus pointu sur tel ou tel sujet. Ça, c'est la vraie difficulté. Alors, chez nous, ça existe. On a des médias qui sont très généralistes, qui vont donner la même information qui est publiée dans le journal, à la télé 36 fois, qu'on entend à la radio, qu'on voit sur Internet, et vous avez des sujets qui sont évacués, qui sont très peu expliqués. On va voir dans le genre journalistique utilisé par le journaliste, on aura très très peu d'informations. Donc, à nous, citoyens, à trouver les bons sites, et nous, du coup, enseignants, à montrer à nos élèves qu'il existe ce genre de publication pour avoir une information beaucoup plus construite, beaucoup plus recherchée et beaucoup plus argumentée. Mais c'est difficile. C'est difficile parce que, évidemment, peut-être une des premières choses à dire aussi, c'est que toute information est une valeur marchande. On achète un journal. Même quand on est sur Internet et qu'on est sur des sites de presse, ça fonctionne avec la publicité. Le rôle de la publicité n'est pas innocent dans tout ça. Donc oui, s'interroger à la dimension économique, s'interroger à la ligne éditoriale, c'est aussi se poser la question de la qualité de l'information. Et si je ne suis pas assez informé, il faut que j'arrive à trouver d'autres lieux d'information autour de ça. Est-ce que c'est normal que ta qualité de l'auditoire peut être très bien permanente? Bet vis dėlto Lietuvoje labai didelis yra erotinio ir smurtinio informacijos bagažas tokio turinio informacijos. Ir jinai skverbiasi, atrodo, kuo toliau tuo labiau, ar Prancūzijoje ta pati yra problema? Oui, comme tous les pays. Pourquoi? Parce que ce sont des sujets.
sujets qui sont vendeurs. Vous savez, les journalistes, la première chose qu'on leur apprend, ce qu'on appelle la loi de proximité. Donc la loi de proximité, c'est-à-dire qu'il faut écrire en public pour que ce public se sente concerné. Et dans les marques, quand je parle de proximité, ce n'est pas forcément la proximité géographique, c'est aussi la proximité sociale, ça peut être aussi la proximité affective, et on sait bien que les sujets, toutes les études le montrent, ce sont des études sociologiques qui sont faites autour de ça, les sujets qui s'intéressent au sexe et à la mort, par exemple, sont les sujets les plus vendeurs. Alors, bien sûr qu'il y a une forme de dérive de certains médias à utiliser ça, parce qu'ils savent qu'ils ont un public réceptif derrière qui va acheter. Donc tout l'enjeu, il est justement, et c'est ce que la France essaie de faire, alors nous on a un pluralisme assez important quand même en termes de médias, je ne connais pas la situation de la Lituanie, donc je ne me permettrai pas de juger de l'état de votre presse, hein, mais de ce que vous évoquez, on peut orienter vers d'autres choix possibles, mais en tout cas, bien sûr qu'en France, ce que vous évoquez existe aussi, et évidemment, c'est compliqué de rentrer avec des journaux comme cela en classe. Hein. Il faut arriver à trouver d'autres journaux qui parlent de sujets qui soient autres que érotiques ou des sujets assez morbides ou à la limite ce qu'on appelle racoleurs. C'est-à-dire qu'ils sont là pour avant tout faire vendre du papier ou faire vendre des médias. Mes dažnai žiniasklaidą tada atskiriam į tokias grupės, sakysim, lygtai aukštų standartų besilaikančią visuomeninę arba valstybinę televiziją ir radiją ir komercinę. Ar galima toks dalykas egzistuoja Prancūzijoje ir kaip, sakysim, Prancūzijos visuomenė žiūri į visuomeninę arba valstybinę televiziją, koks jos santykis su politikais? Non. On a des chefs publics. Évidemment, on a tendance à penser que les chaînes publiques sont des chaînes de meilleure qualité, mais ce n'est pas forcément le cas. C'est vrai que de plus en plus, les médias sont privés, et on a des médias privés qui sont aussi de bonne qualité. La difficulté, elle est, du coup, de se poser la question de la formation des journalistes. Et chez nous, la formation des journalistes n'appartient pas à une structure de l'État. Donc les journalistes sont pratiquement formés tous de la même manière. Après, s'ils vont travailler sur un média public, s'ils travaillent sur un média privé, c'est la ligne éditoriale du journal qui va les inciter à écrire de telle ou telle manière. Alors ils auront une formation commune sur les règles de l'écriture journalistique, sur comment bien écrire, comment attirer, on travaillera sur ça cet après-midi, hein, comment attirer justement tel ou tel lecteur, tel ou tel éditeur, tel ou tel... Mais vous avez des médias privés qui sont de grande qualité et des médias publics qui ne sont pas très bons en France. C'est toute la difficulté. Alors, c'est aussi lié à l'histoire de notre pays, puisque nous, on avait un ministre dans les années, avant les années 70, la ministre de la communication qui contrôlait tous les médias. Bon, parce que c'était facile aussi techniquement, il y avait une télévision, il y avait deux chaînes, c'était facile de les contrôler. L'arrivée d'Internet, l'arrivée de nouvelles technologies a permis l'option de différentes techniques, de différentes écritures, de différents supports multimédias, parce que les journalistes maintenant ne font pas que du texte, que de la télé, que de la radio. Quand on leur demande de partir, de relater un fait, ils écrivent un texte qui peut aller sur Internet, mais ils font aussi une photo, et ils prennent parfois du son. Hein. Donc tout ça pose la question de jusqu'où va la liberté de la presse dans un pays. Quels sont les critères qui vont permettre justement, moi, enseignant, d'utiliser tel ou tel média? Et là, c'est toute la difficulté. Alors, évidemment qu'il faut prendre en compte les médias qui sont dans son pays, mais essayer de voir comment on peut avoir une information autrement. Et je pense que vous n'échapperez pas forcément, avec l'arrivée des technologies, à des structures informatives qui vous donneront une information autre que ce que vous évoquez comme une information de qualité publique. Moi, je ne vais pas me prononcer sur la qualité de la promotion chez vous, je ne la connais pas. Donc, je ne dis pas les Italiens, ça sera...
beaucoup plus compliqué pour moi. Et c'est vrai que du coup, moi enseignant, quand je vais avoir à choisir les médias que je vais utiliser en cours, je vais me poser ces questions. D'abord, trouver des sujets d'intérêt au plus près de mes apprenants. Et même à partir de médias que vous dites pas forcément de grande qualité, on peut justement travailler sur ces médias de pas bonne qualité. Qu'est-ce qui permet de dire que tel ou tel média est de bonne ou de mauvaise qualité? Vous voyez, il y a peut-être du bon et du pas bon dans tous les médias. Deuxièmement, même si vous vous interdisez d'utiliser tel média dans votre cours, quand ils sont chez eux, les élèves, peut-être qu'ils les lisent, ces médias-là. Peut-être qu'ils les regardent. Donc il vaut mieux les armer, il vaut mieux les préparer à regarder ces médias, plutôt que de leur interdire ou de leur dire « Attendez, ne regardez pas ça parce que c'est de mauvaise qualité. » Il faut travailler avec. C'est compliqué, le rôle de l'enseignant. Le travail de l'enseignant est compliqué dans toutes les disciplines. En même temps, les médias, c'est aussi une norme authentique. Donc on permet, on est dans un contexte social et culturel. Ces médias de bonne qualité ou de mauvaise qualité, ils sont aussi, et ça c'est peut-être une dimension d'éducation civique, ils contribuent à la formation du citoyen dans le pays. Et donc il faut faire avec. Et du coup, peut-être que en rendant des élèves exigeants sur la qualité de l'information, eux seront exigeants sur la qualité de l'information qu'ils liront et n'achèteront plus ce genre de journaux. Les journaux dont vous parlez, ceux qui parlent de sexe, ceux qui parlent de mort, si les gens ne les achetaient pas, ils ne perdraient pas, ils ne vivraient pas. C'est bien parce que les gens les achètent que ça existe. Donc il faut être exigeant avec nos élèves sur la qualité de l'information sur laquelle on peut travailler. Ensuite, ce que je voulais dire aussi, c'est que quand on travaille sur les médias, c'est pas le document qui va faire le niveau ou la discipline. C'est ce que l'enseignant va décider d'en faire. Quels sont les objectifs qu'il s'est fixés en travaillant sur tel ou tel support. Voilà. En tout cas, c'est sûr qu'on est là sur... il faut apprendre à décortiquer, à décoder, à décrypter l'information. Et c'est, à mon avis, il n'y a que comme ça qu'on peut faire évoluer et du coup espérer qu'on accède à des médias bien meilleurs. Merci. Alors, je vous propose de continuer un petit peu le travail que nous avons commencé sur la télévision et notamment à partir des premières images. Je ne vais pas vous passer le reportage en entier, mais maintenant qu'on a un petit peu décortiqué, qu'on a un petit peu compris comment fonctionne la construction d'un reportage télé, je vais vous demander d'essayer de repérer ce que j'ai pu dessiner sur le tableau, les différents plans, comment est-ce qu'ils s'assemblent, et de faire bien attention aux différents sons qui sont évoqués. Donc, évidemment, la voix française, vous aurez du mal à comprendre, mais vous allez entendre un certain nombre de sons et voir justement à quel moment ils s'agencent, comment est-ce que tout est fait pour que cette construction soit un film linéaire. Donc, on va juste regarder que 2 minutes. Hein, pas plus. Pour passer des images de glace pour arriver au laboratoire, c'est la voix de la journaliste qui nous amène de cette image vers notre image. Elle fait le lien, toujours dans l'idée de masquer, c'est très fort, il me semble. Est-ce qu'on peut régler le volume, peut-être? C'est un peu fort, pour les oreilles. C'est pas trop fort. Donc, on va tout faire en sorte pour essayer de masquer ces coupures, et là, on a une transition. Alors, vous avez vu que, également, quand on entend les personnages, on les entend avant même de les voir en image. C'est ce qu'on appelle l'anticipation sonore. Ce sont aussi des effets de construction pour donner l'impression que cette histoire est réelle et qu'il n'y a pas de coupure. Donc, généralement, pourtant, je m'assieds, j'ai un appareil électronique dans la poche. Donc, chaque fois, le son, on va s'arranger pour que ça ne corresponde pas. On va s'arranger pour que les coupures son ne tombent pas en même temps que les coupures images.
pour pas qu'on ait une impression de brutalité dans la construction. Hein, donc, pour vraiment que le message soit le plus limpide possible. Et on a rajouté un son d'ailleurs, qu'on n'a pas évoqué tout à l'heure, qui est de la musique. Vous avez entendu cette musique. Et donc une musique qui démarre dès le début. Et qui l'on retrouve de temps en temps sur certains passages. Et qui va apporter un certain climat à ce reportage. Il y a une forme, alors le sujet étant la fonte des glaces, ce qu'ont compris le français dans le texte dit par la journaliste, elle explique que c'est dramatique pour les populations parce qu'il manque de nourriture et que c'est difficile de survivre dans des climats, même si ça se réchauffe, dans des climats de ces lieux et de la terre. Donc la musique est là aussi pour rapetisser la situation, à la fois donner une couleur, on dit une couleur musicale par rapport à un sujet, mais également elle a une fonction de dramatisation. Et du coup, on est sur l'émotion, on va jouer sur l'émotion du téléspectateur qui lui va percevoir ces images en fonction des effets sonores, des effets d'habillage que l'on a pu créer autour de cette construction. On est vraiment dans toute une construction en images et en sons pour un message limpide, qui soit sur un sujet d'actualité quel qu'il soit. Et on voit bien qu'on va tout faire pour que ces transitions fonctionnent. Donc, bon, tous les éléments, hein, même si le document est en français, tous les éléments, on les a décortiqués, on les a étudiés, et vous en avez la traduction sur cette fiche, notamment quand on s'intéresse, et ça on peut le faire sur n'importe quel sujet, on peut s'intéresser à ce qui se fait, quels sont les personnages qui nous sont montrés. On nous raconte une histoire, dans un roman. On va chercher deux personnes anonymes, qui vont parler au nom de toute la population inuite. Ces deux personnes témoins, personnes anonymes, sont là pour représenter le peuple entier. Ensuite, on va chercher quels sont les personnages que l'on voit. On voit ben, les spécialistes. Donc ceux-là, alors vous n'avez pas vu le deuxième spécialiste qui était anglophone, mais ceux-là viennent apporter, valider la parole de la journaliste. On va chercher les experts. Ce sont les experts spécialistes en climatologie qui vont valider le propos de la journaliste. Dans toute construction de reportage télévisuel, et peut-être que vous regarderez la télévision et vous écouterez la télévision différemment ce soir, on va chercher ce spécialiste qui va valider cette information. S'il y a, chez nous, on est souvent connu pour qu'il y ait un certain nombre de grèves à certains secteurs, si on est usine en grève parce qu'il y a des fermetures de postes, parce que les postes sont supprimés, ben le spécialiste, ça va être la personne du syndicat qui va parler au nom de tous les employés. Si on est sur un sujet, sur une maladie à l'hôpital, on va aller chercher le médecin qui, lui, est le spécialiste dans cette histoire. Si on est sur un sujet de l'éducation, on va aller chercher ben, soit le ministre de l'Éducation, soit le professeur, qui est le spécialiste dans son domaine. Vous voyez, chaque rôle, chaque personnage qui est présenté à l'image a une fonction très précise et là pour valider des propos. Rien n'est laissé au hasard, puisque c'est une construction. Et à partir de cette construction, tous les éléments qui y sont ont un rôle très simple. Donc, on s'intéresse sur les personnages. On s'intéresse sur les lieux filmés. Là, il y a un travail à faire, par exemple, sur ce thème-là, autour de la représentation, je l'évoquais tout à l'heure, des Esquimaux, des Inuits. Évidemment, ils ne sont plus habillés en mode phoque. On en voit même qui ont un téléphone portable. Pour beaucoup, dans l'imaginaire, ceux qui ne sont pas allés dans ces pays ou qui n'ont pas vu d'image réelle actuelle, sont loin d'imaginer qu'il existe des portables. Pourquoi alors on pense. Et par contre, on a quand même des éléments de la vie traditionnelle. On a des chiens de traîneau, on a des pêcheurs, parce que c'est l'activité économique du pays. Donc toute une série, comme cela, d'éléments qui situent un personnage pour que le propos soit rendu le plus vrai possible. Faites-en l'expérience ce soir, dès que vous regardez un reportage d'actualité à la télévision, cherchez les experts, cherchez la parole anonyme, écoutez les sons qu'on vous propose. Les sons, les musiques, quel rôle
réaliser au hasard. S'il y a une musique rajoutée dans un reportage d'actualité, c'est qu'il y a une fonction très précise. Cela m'évite un coup sur la télé. Je voudrais que l'on revienne maintenant sur le travail qu'on a pu lancer tout à l'heure en termes de photos, et du coup vous donner la parole. On va essayer d'échanger tous les travaux que vous avez faits. Donc je vais vous proposer, je suis désolé pour la caméra mobile. Je vous fais tourner dans tous les sens. Attends, je vais reprendre ce micro. Alors, je vais vous proposer 5 photos. Alors, on va essayer de les trouver. Comme on a changé d'ordinateur, donc il faut que je revienne sur mon... Voilà. Voilà. Donc, je vous demandais, en utilisant les différentes grilles d'analyse, d'essayer de parler autour d'une photo que vous avez pu choisir par groupe. Alors, qui veut essayer d'expliquer, de commencer, de nous dire le choix de la photo et de nous dire ce que vous avez pu observer? Alors, si vous n'avez pas tout étudié, ce n'est pas bien grave, on est juste là pour échanger, essayer de voir comment on peut mettre en place une série d'activités dans une classe. Qui veut démarrer sur une photo? Quel est le groupe qui veut essayer? Oui? D'accord. Alors, dites-nous la photo que vous... Quelle photo avez-vous choisi? Je m'appelle Diana. Je suis en quatrième de photographie. Oranžinis žmogus. Taip, tai būtų formatas, stačiakampis, keturios dėstymas yra centre, centrinė kompozicija, labai stambus planas, vaizdas yra iš priekio ir truputį tarsi iš apačios, tarsi figūros reikšmenas, žmogus pagrindinė figūros reikšmenas. Pirmam plane žmogus centre, antram plane fonas, du planai ir spalva išryškina patį pagrindinį objektą ir fonas yra neryškus antrailis fonas ir netoks reikšmingas kaip žmogus. Spalvų kontrastas yra šiltos spalvos kontrastuoja su šiltom spalvom fone. Ryškus, pats žmogus, planas neryškus, vėlgi matom kontrastą. Šviesa. Šviesos šaltinis sunku nustatyti, nes planas yra tarsi apsiniaukęs, bet matom, kad yra viena. Galima tarsi ant veido matyti šviesą ir to pačio oranžinė spalva irgi šviečia pati savaiminas neryškus spalva. Taip, spalvota fotografija. Dominuoja spalva vėl oranžinė, sodri spalva, dominuoja kokias linijas. Tai vertikalės dominuoja pačioje žmogaus figūroje, o forma dominuoja horizontalės. Vėlgi matom kontrastą tarp pačių linijų formų. Žmogus yra vienoje iš tų, jeigu tris dalis padalino fotografiją, tai yra svarbiausiai tarp daly, centriniai trečioje daly. Emocija. Tai dėl emocijos mūsų darbo grupės išsiskyrė nuomonės, nes šiaip ir tas supratimas yra apie emociją. Kiekvienas gali suprasti savai pagal savo gyvenimo patirtį, pagal savo žinias. Bet sakysim, kaip aš suprantu, tai svarbiausia yra žmogus, jis išlipo į svetimą žemę, kur yra jau neaiškiai, neryškiai, bet šitoje fotografijoje yra svarbiausia patie žmogaus istorija. Kas jo laukia ir neaišku, nes fonas nėra aiškiai. Tai tiek būtų. Vous avez fait une très bonne analyse de la photographie. Alors, on va peut-être demander à des groupes qui ont utilisé cette même photo de compléter. Vous voyez que tout de suite, la grille permet d'être déjà beaucoup plus ciblée sur la description. Et à partir de cette description, des éléments de la description, du coup très objectifs. Alors normalement, ces éléments de description, tout le monde est d'accord, sauf si on a des problèmes de vue et qu'on ne voit pas les couleurs de la même manière que l'autre. Mais on est d'accord sur ça. Après, c'est l'interprétation. Et là, et vous le dites très très bien, madame, les avis étaient partagés parce que chacun a pu ressentir
cette image en fonction de son propre vécu, de sa propre histoire, et forcément qu'on a des regards très différents par rapport à ce que l'on connaît. Alors, je rappelle que la légende dit, le 14 août 2004, Fuerteventura en Espagne, ce sont les îles Canaries, hein, Fuerteventura, un immigrant malien, donc le pays c'est le Mali, marche sur la plage après être arrivé par bateau. Donc, c'est un sujet de 2004 qui a toute sa résonance, si vous suivez un peu l'actualité, actuellement, en Italie, sur l'île de Lampedusa, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, ces immigrants libyens, syriens, qui débarquent et qui sont parqués sur cette île, parce que c'est l'île la plus proche européenne du continent du Moyen-Orient ou de l'Afrique. Et donc, cette image qui est pourtant date de 2004 fait une forte résonance à l'actualité. Et ça, c'est un classique dans les médias, c'est que souvent, les journalistes vont aussi construire leur message à travers des références historiques, culturelles, d'un pays, d'une histoire, et les choses se répètent, et les profs d'histoire sont souvent d'accord avec moi, l'histoire se répète. Qui veut compléter, tout à fait, pardon, excusez-moi. Moi, je vais compléter pour passer pour l'autre parce qu'il n'y a pas. Juste compléter une chose. C'est intéressant l'idée de la contre-plongée parce que vous avez vu que dans cette sur cette photo, on met en valeur ce personnage qui regarde le ciel. Hein, et vous l'avez très très bien dit. Son avenir, c'est ça. Il est tourné vers l'avenir. Son passé, c'est dans son dos. Alors, il ne le connaît pas. Alors, ça, c'est l'interprétation aussi. Mais on peut le voir comme ça, et je pense que l'intention du photographe était là, hein, c'est qu'il regarde le ciel et il remercie, hein, le ciel, comme une prière, vous l'avez très très bien évoqué. Merci madame, merci pour le groupe en tout cas qui a travaillé sur ça, et les autres groupes qui n'osent pas parler, je suis sûr qu'ils ont été très pertinents dans ce qu'ils ont dit, mais ils n'osent pas le dire. Vaikų darbo. Taip. Fotografija horizontaliai mastelis išdidintas. Tavęs fotografuotas iš arti, kaip pagrindinis centre. Pagrindinis personažas, dėmesio objektas yra centre. Ir jis yra pats svarbiausias. Fonas yra neryškus ir nesvarbus, mes tiksliai net negalėtume pasakyti, kurioje vietoje vyksta veiksmas. Turint omeny, kad tai negali pasakyti, ar tai yra miestas, ar tai yra kaimas, ar tai yra aplinkoje daugiau dirbančių žmonių, jų nesimato. Tai, kad fotografijos personažas yra pats svarbiausias, fotografas yra vaiko lygmenyje, jo dėmesys į patį vaiką ir į konkretų dabartinių vaiko veiksmą, ką jis daro, judesi. Aplinkos detalės padeda mums papildo informaciją, sufleruoja, sako, ką konkrečiai vaikas daro. Vaiko drabužius, taip kaip jis atrodo, veido išraiška irgi informuoja apie jo santykį su to, ką jis daro. Kad tai mes visi žinome, kad vaikų pagrindinis darbas yra žaisti. Ir tai nėra žaidimas ir vaiko nuotaika. Sako, kad tiesiog vaiko veidas jau neprieštarauja tam, ką jisai daro. Ir informacija, kurią perteikia autorius, yra suvokiančiam žmogui, kad yra grėsminga, nes vaikas jau nesipriešina. Spalvos natūralios.
kadangi žinom iš informaciją papildomą užrašą turime, kurį nusako nuotraukos turinį, kad tai yra ankstyvas rytas, ankstyvo ryto. Spalvos yra tokios, bet jis saulės nėra ryškios. Štai aplinka yra natūraliai neryški. Ir pats vaikas, pats pagrindinis objektas, irgi nėra labai specialiomis fotografijos priemonėmis išryškintas. Ir galbūt dėl to siužeto niūrumo ir paliktas tokiam natūraliam rūke. Ir tai tikriausiai atitinka tą prognozuojamą reakciją, kurios mums reikėtų. Merci. On va peut-être compléter avec d'autres exemples, d'autres groupes qui ont travaillé sur la photo. Alors, j'aime bien quand vous évoquez l'idée de peut-être, hein, parce que bien sûr, là, vous avez bien compris tout le questionnement que l'on peut avoir sur un certain nombre de médias, où quand on n'a pas la réponse, on peut faire des suppositions sans forcément avoir l'intention réelle de l'auteur. C'est comme en littérature, on fait dire des fois à l'auteur des choses dans les textes. Auquel il n'a pas forcément pensé. Alors, moi, de temps en temps, sur certaines photos, il existe, pas loin de la ville où je travaille, une autre ville qui s'appelle Perpignan, où il y a un grand rassemblement de photographes, c'est un rassemblement international de photographes de presse, dont il m'arrive de rencontrer un certain nombre de photographes à qui je peux poser la question, quelle était son intention par rapport à ça. Quand on a cette chance-là, c'est très bien. Parfois, on n'a pas cette chance-là. Ce qui est sûr, c'est que aussi, ça vous le dites un peu quand vous décrivez la photo, c'est qu'il y a aussi des intentions inconscientes. C'est-à-dire que le photographe qui va prendre sa photo, lui aussi, dans sa tête, c'est un être humain, il ne faut pas oublier que les gens qui fabriquent l'information sont des êtres humains, et donc vont réagir eux aussi en fonction de leur propre référence culturelle, et en fonction de leur propre émotion, tout en sachant bien que ce qu'ils vont aller chercher, et là c'est assez flagrant, hein, c'est forcément l'émotion de cet enfant qui, vous l'avez très bien dit, il n'est pas à sa place. Un enfant, ça joue, ça ne travaille pas. Surtout à 4 ans. La légende nous précise 4 ans, et qu'à 4 ans, pour nous, ça nous paraît impensable qu'un gamin puisse faire des briques toute la journée. Voilà. Donc, oui, il y a des intentions, il y a des choix, parfois on peut les vérifier, parfois on ne peut pas les vérifier. Mais merci pour cette approche d'analyse qui est très, très bien. Est-ce que des groupes veulent compléter d'autres éléments qui n'ont pas été dits peut-être, madame? Ir galbūt vėlgi norėjote parodyti, kad tas darbas, jis yra neišvengiamas ir nesvarbu, kiek metų žmogų turi įsidaro, bet tai yra, na, kaip prievolė, kaip būtinybė. Na, nežinau, kaip tai galima interpretuoti, bet manau, ne veltui autorius tą įtą padėjo taip pačiame. Labai gerai, pats nebūtas kitos detalės, iš tikrųjų vaiko drabužis nevaikiškas. Tai irgi akivaizdžiai sufleruoja tai, kad jis apsirengęs tuo kuo, kas yra, o ne tai, kas yra vaiko drabužis. Ir apie kompoziciją jūs teisingai pasakėt, iš tikrųjų didelis fotografijos, tai čia kampis, o čia mažas. Oui, mais moi je rejoins l'idée de madame parce que, effectivement, il y a un débat sur le travail des enfants. Alors, les enfants de 4 ans, évidemment, on ne devrait même pas se poser le problème, mais la dimension économique de cet enfant, est-ce qu'il vivrait s'il ne travaillait pas? C'est un sujet compliqué. On a tous, quand il y a des couples
Coupe du monde de football, par exemple, où on a appris quand même en 2000 qu'il y avait un certain nombre d'enfants qui fabriquaient les ballons, des enfants de 10-12 ans pakistanais du Pakistan qui fabriquent les ballons, ça nous pose souci. Et en même temps, on nous dit que s'ils ne font pas ces ballons, ils peuvent mourir de faim. Alors, comment on fait avec ce cas de conscience? C'est-à-dire que là, on est sur des débats, alors évidemment, qui vont être un peu difficiles à aborder dès l'école primaire, mais quand on est en lycée, on est sur des vrais sujets de fond, de société, de ces pays. Comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on peut faire pour les aider? Comment est-ce qu'on peut trouver des solutions pour que ces situations d'enfants qui ne travaillent pas, n'existent plus et qu'on aille au-delà? En même temps, cet enfant, s'il ne travaillait pas, peut-être qu'il mourrait. Ça, c'est très compliqué. Et du coup, je comprends votre interprétation des choses, mais je comprends aussi la vôtre. Il n'y en a pas une qui vaut plus qu'une autre. Mais chacun réagit aussi par rapport à son propre vécu, à ses propres références culturelles. Iš tiesų mes atkreipėme dėmesį į raudoną kepurę ir tik kilo asociacijos, žinant vietą, kad tai yra budistinė valstybė ir kaip budistinė ramybė, kaip čia moteris ir kalbėjo, kad tas vaikas, na, jis dirba ir nėra to didelio noro žaisti, nes jie tiesiog nežino, kad gali būti kitaip vienas. Atkreipiam dėmesį ne tik į tą plytą, bet ir į plytų kelią. Irgi neaišku, kur pradžia, kur pabaiga. Ir mums pasirodė tas fonas irgi kontrastingas, toks jisai lyg ir šviesus, bet neaiškus, kaip sakė moteris, kaip ir rūkas atrodo, ir spalvos prigesintos. Tokio dramatizmo suteikė, jos yra lyg ir natūralios, bet prigesintos švelniai. Ir iš tikrųjų iš tikrųjų diskusija dar iš tie, kad tas rūkas toks, nu, kaip čia tariant, iš kaukviečių ir kitų baltųjų žmonių akių, kad mes pažiūrim, padėjuojam ten kažkur blogai, o režėjai paskui apsisukė, perkam drabužius, kuriuos taip pat pagamina vaikų išnaudojimo, drabužiai yra vaikų išnaudojimo produktas, ne pažiūrėjom tiesiog plačiau. Merci pour ce complément d'information. Et vous voyez que, à partir d'une photo, la richesse de travailler en groupe et la richesse d'une classe, et vous serez toujours très surpris parce que disent nos élèves sur les différentes interprétations qu'ils peuvent avoir eux. Et il faut profiter de ce travail en groupe justement pour pouvoir faire émerger un certain nombre d'éléments. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut réagir sur cette photo? On change de photo peut-être, parce que je vois le temps qui tourne. Et jusqu'à présent, on a un gardien du temps qui a été très, très correct. Non, je choisis son rôle. D'accord. C'est la même photo. Ah, est-ce que quelqu'un a pris une autre photo? Celle-ci, personne ne l'a prise. Cette photo, personne ne l'a utilisée. Est-ce que, oui, vous avez travaillé sur cette photo? Merci, c'est gentil de prendre la parole. Mes dirbom su šia nuotrauka, pamatėm, jog formatas šios nuotraukos yra stačiakampis. Pagrindinis personažas šioje nuotraukoje užima tik ketvirtadalį nuotraukos, nusibraižėme planą. Fotografas fotografavo šią nuotrauką iš viršaus. Ir čia fotografas tikriausiai užima dominuojančią padėtį prieš subjektą. Išryškintas nuotraukoje yra sausas dugnas, žemė. Ir galbūt todėl fotografuojamas objektas yra mažiau ryškus. Matome jo fotografuotą dieną, nors nuotrauka nėra ryški. Spalvos nuotraukoje ganėtinai kontrastingos, tačiau jums gliname fone ryškus mažas žmogus. Ir manom, jog ši nuotrauka mums siunčia informaciją apie globalinę problemą. Mūsų emocijos buvo daugiau asmeninės, bet taip pat mes naudojom žodį, galbūt fotografas norėjom parodyti mums, jog yra šalių, kuriuose nėra vandens. Ir jūs norėjo taip pat atsiųsti mums žinutę.
pasaulyje atsiųs žinutę. O mūsų asmeninės emocijos buvo tokios sausra, baimė, rūpestis, atsakomybė galbūt prieš šeimą, galbūt prieš gyvenvietę. Nenorėčiau, kad tokia situacija paliestų mano šalį. D'accord. Des éléments complémentaires, madame? Na, kadangi mes irgi analizavom šitą nuotrauką, tik mūsų medžiaga yra išnešta. Mes, aišku, kaip grupės dalyvės atlikom užduotį blogai, neusirašėm kitų komentarų, bet noriu pasakyti, kad analizuojant su mokiniais, čia labai svarbus yra komentaras, kuris yra užrašytas apie būtent tai, kad čia yra ežero dugnas, išnykęs ežeras ir panašiai, kuris iš tikrųjų komentaras suteikia labai daug informacijos analizai. Tai tiek. Mano nuomonė yra tai, kad mes visą laiką vadinam pagrindinį personažų asmenį, šiuo atveju visada ieškom žmogaus, o tai, kad tas žmogus yra mažas ir kamputyje ir tikrai moters veidas neiškus, o neįsikoti moteris, mums informacijos neduoda, o iš tikrųjų fonas užima didžiąją fotografijos dalį ir kad fotografas šaukti šaukia, kad yra problema, kad tai yra sausra, nėra vandens. Ir vienintelis pats ryškiausias taškas yra indas su vandeniu, kuris labiausiai kontrastuoja su ežero dugnu. Oui. Dans toute photo, quelle que soit la taille de l'humain, on va aller chercher l'humain. Tout petit qu'il soit, le fait que c'est naturel, on s'intéresse à tout ce qui est de l'ordre de la vie, à tout ce qui est de l'ordre de l'humain, une toute petite présence d'homme sur une photo, on va chercher cette présence-là. Alors, bien sûr, il a voulu mettre l'accent sur la Terre, d'ailleurs on voit bien qu'il n'y a pas de... On a l'impression qu'il n'y a pas de deuxième plan, on est face à un mur, comme si c'était une photo, une Terre verticale, et en même temps, on a ce contraste, l'humain était indispensable parce que c'est lui qui situe l'humain par rapport à cette terrible sécheresse. Alors, il y a aussi une autre dimension peut-être qui apparaît un peu moins, parce que évidemment on va travailler sur l'actualité, mais il y a quand même, moi je trouve qu'il y a une forte dimension esthétique. On a essayé d'esthétiser cette photo, ne serait-ce que par le fait de prendre en photo une dame en sari, un habit traditionnel orange, en contraste avec la jarre verte. Alors moi je sais parce que quand j'interviens à Nantes, j'ai eu une indienne qui venait de ce village, de cette ville, cette grosse ville, et qui me racontait qu'en fait, mais ça c'est un classique, il y a beaucoup de femmes qui vont chercher l'eau. Mais on n'a pas le hors-champ, on n'a pas tous les éléments qui permettent de donner le contexte. À 300 mètres, la ville est là. Donc en fait, on a l'impression que cette dame est perdue dans le désert. Il y a plein d'autres personnes et qui sont habillées dans d'autres couleurs, qui ont des jarres de différentes couleurs. Donc je pense que le photographe a attendu le bon moment pour prendre cette photo. Il a bien vu cette personne-là. Il a bien vu qu'il y avait une dimension esthétique qui pouvait aussi fonctionner. Voilà. Alors, autre élément peut-être que je veux rajouter, ça vous l'aviez vu aussi, hein, c'est qu'on est en plongée. Donc la plongée, l'effet là, c'est l'écrasement. Qu'on pourrait écraser le soleil, puisque c'est lui qui est à l'origine de cette sécheresse, on voit bien qu'il y a là une volonté d'écrasement autour de ça. Vous voyez qu'on peut faire dire des choses aux images sur des sujets qui sont
riches et puis divers. Alors, je ne sais pas si certains veulent encore compléter ou s'il y a d'autres images sur lesquelles vous voulez discuter. Je mettrai à votre disposition et j'enverrai le lien aux organisateurs de ce colloque. Je vous donnerai accès à un certain nombre de photographies qui ont été choisies. Ce sont des outils où ça me permettra de faire la transition avec la fin de la partie de cette journée. Des outils à disposition des enseignants pour qu'ils puissent travailler spécifiquement sur la photo. Bon, ce sont des accords que l'on passe avec l'agence France Presse qui nous autorise un certain nombre d'utilisation des photos, toujours dans un cadre pédagogique. Il est évident que vous n'avez pas le droit, la loi française, mais d'autres lois ne l'autorisent pas non plus, ne vous autorise pas à diffuser ces photos sur des sites internet, par exemple, ou dans des journaux scolaires. Vous ne pouvez pas réutiliser cette photo, mais vous ne pouvez l'utiliser que dans le cadre de votre classe sur un travail pédagogique. Alors, je suis en train de chercher mes documents, je ne sais plus où je les ai mis. Donc, ah non, ils ne sont pas là, ils sont sur mon ordinateur. Mais je vous ferai parvenir toute une série de documents qui vous permettront d'avoir des photos déjà en ligne. Ceci dit, vous pouvez, le premier travail qu'on peut faire avec les élèves, c'est dès l'école maternelle, même maternelle, je dis bien les enfants de 6 ans, c'est trier les photos qu'ils ont dans les journaux. Celles qui sont là pour informer, celles qui sont là pour faire vendre, dans de la publicité par exemple, celles qui sont là pour illustrer, hein, voilà, trier, classer ces photos en fonction de leur impact. Donc je vous donnerai, hein, je ne les ai pas là, j'en suis désolé, je les ai mis sur mon ordinateur, mais comme on a changé d'ordinateur, du coup, attendez, je vais voir quand même si je ne les ai, parce que comme j'ai travaillé dans un autre pays, je pense que j'avais préparé ça, peut-être ici, non, je ne les ai pas, bon, j'en suis désolé, mais on va revenir sur d'autres travaux autour de ça. Alors, pour prolonger le travail, pour revenir un petit peu, ce qui est important évidemment quand on met en place tous ces travaux d'éducation aux médias, à un moment donné il faut aussi pouvoir faire référence à un certain nombre d'éléments qui vont me permettre d'évaluer le travail fait. Vous évaluez, vous avez un certain nombre d'indicateurs pour vos élèves. Ah oui, alors c'est en français. Donc il va falloir que... oui, je n'ai pas le document traduit, donc les interprètes vont avoir du travail. Vous avez vu que quand on est dans le petit 2, caractériser les médias et les langages médiatiques, on est un peu dans ce qu'on a fait à travers la diverses agences, à travers la photo ou autre forme d'expression. La troisième entrée dans les domaines importants d'éducation aux médias, c'est s'informer par les médias. Le travail aussi d'éducation aux médias, c'est de donner goût aux élèves pour qu'ils s'intéressent et qu'ils deviennent du coup des lecteurs, des auditeurs, des spectateurs avertis. Il faut qu'ils puissent, eux, être capables d'exiger de l'information de qualité. Alors, c'est un travail qui se fera sur du long terme, évidemment. Nous, on fait le pari que plus on est alerté, plus on est en distance par rapport à la construction d'une formation, et plus on peut se permettre d'être exigeant sur les messages que l'on reçoit. Le petit 4 me paraît essentiel. Il faut, et on peut le faire de manière très simple, tout ce qui est dehors de la production, produire des messages médiatiques ou un média, sur cette dimension-là, il ne faut pas hésiter à mettre des situations en production. Alors, ce n'est pas forcément tout de suite se lancer dans un journal télévisé dans lequel on va se noyer dans les problèmes techniques, les problèmes de construction. Mais c'est déjà, pourquoi pas, prendre une photo, n'importe laquelle, et faire inventer une légende. Hein, ou trouver un titre qui va l'accompagner. Mais un titre qui ne dénature pas le fait. On est bien d'accord, il ne faut pas non plus réinventer une actualité qui n'existe pas. La production, ça peut être rédigé, comme on l'a vu tout à l'heure,
une petite dépêche d'agence à travers ce que l'on peut mettre en place dans un établissement ou dans une école par rapport à l'actualité proche des élèves, hein, en fonction de leur âge évidemment et de leur propre intérêt. Ensuite, la cinquième entrée dans tout ce qui est domaine d'acquisition auprès des élèves, c'est vraiment la conscience, cette conscience de la place et du rôle des médias dans la société. Donc ça me paraît assez important. Alors, on a décliné ces différents domaines en différents... Je ne vais pas les détailler parce qu'il me faudrait plus de temps que ça, mais je vous les mettrai à disposition et en français, mais malheureusement, je vais demander... ça vous ira de trouver peut-être quelqu'un qui puisse traduire ces documents, les mettre à votre disposition, parce qu'on a défini un certain nombre de connaissances que nos élèves doivent connaître, un certain nombre de capacités et d'attitudes que les élèves doivent avoir. Et à chaque fois, on a décliné des exemples très concrets liés aux utilisations des médias en classe. Donc, je ne vais pas tout évoquer maintenant, mais il y a des choses très particulières sur, par exemple, le vocabulaire propre aux médias. Vous avez la photocopie de ce document qui reprend les éléments de la Une, un journal, déjà le mot Une, ça veut déjà un terme très médiatique, très particulier, qui veut bien dire ce qu'il veut dire, qui n'est pas le même terme que ce qu'on utilise en littérature, par exemple, ou en édition. Il me semble que vous avez un tableau avec... Je ne l'ai pas. Il me semble que Salomera m'a démontré. Je regarde. Ah. Je suis presque sûr de l'avoir vu. Ah, voilà. C'est celui-ci. Où on a une forme de une de journal assez classique, avec des noms très particuliers. Des noms, alors vous voyez par exemple le cheval, je ne sais pas si ça a été traduit comme ça, mais ce sont des termes de presse qui sont des termes français, mais qu'utilise n'importe quel pays. Le cheval, c'est l'article qui démarre à la une du journal, et que l'on retrouve, il fait un galop, il fait un saut à l'intérieur du journal. Vous avez des mots comme par exemple le ventre, hein, c'est la partie où on va trouver l'information principale. Vous voyez, c'est un vocabulaire très spécifique, hein, un vocabulaire très spécifique. Ensuite, on est sur de l'écriture très spécifique, puisqu'on a vu autour du message essentiel comment on pouvait travailler sur ces écritures, comment est-ce que est construite l'information à tous les niveaux. Et vous voyez que quand on travaille sur le message essentiel, ce n'est pas que dans la presse écrite. On voit bien qu'à travers l'écriture de la légende, on est sur cette même notion. À travers le texte dit par le journaliste, la journaliste en télé, il va utiliser les mêmes règles. En radio, c'est la même chose. Alors, vous avez une fiche qui a été traduite, qui vous donne également une grille d'analyse. Donc là, on n'aurait pas le temps, puis il faudrait le faire avec une émission radiophonique de votre langue. Hein. Ce qu'on a fait en télé, évidemment, on n'a pas l'image, on n'a que le son, on a des sons, et on décortique les différents sons. Avec une spécificité au terme de la radio, c'est que, bien sûr, on n'a pas d'image. Les images, on va les créer. On va créer des images mentales avec les mots qu'on va utiliser, avec les bruits qui vont accompagner la construction du reportage radiophonique, pour évoquer dans notre tête, pour mettre en scène cette information, toujours pareil, pour que ça paraisse de plus en plus vrai, il faut qu'on puisse être capable de comprendre très clairement, très rapidement, court, clair, concret, l'information qu'on veut nous faire dire. Voilà. Donc, il y a toute une série comme ça d'éléments, et je vous donnerai également, alors là aussi, on n'a que des claquettes en français, mais il existe la version numérique d'un document qui reprend une série de fiches pédagogiques pour mettre en place toute une série d'activités. Donc c'est une brochure que vous aurez sur le lien. Alors vous l'avez déjà dans la cytographie qui a été traduite, mais vous pouvez le trouver sur le site que nous avons, sur le site du CLEMI.
vous avez des fiches pour tous les niveaux, vous avez des exemples d'activités, et vous avez également des fiches très concrètes sur comment mettre en place ces activités en classe, avec un référentiel de compétences en éducation aux médias. Alors, je suis absolument désolé de ne l'avoir qu'en français. Nous n'avons pas prévu pour le moment d'édition anglophone, en lituanienne pas encore, mais peut-être que dans nos prochaines rencontres, on pourrait imaginer justement qu'on essaie de transposer ce référentiel. Ça me semble important. C'est-à-dire que comment on fait comme une discipline, quand on veut travailler l'éducation aux médias, même si on n'est pas sur une discipline, il faut quand même se poser des questions en termes de comment est-ce que je vais évaluer auprès de mes élèves ce que je mets en place dans ma classe. Et ce référentiel de compétences est un référentiel qui est calqué sur les 5 domaines que je vous ai montrés tout à l'heure. Alors, avec en plus nous en France, on a aussi le souci de l'évaluation des enseignants. Et donc il y a, dans ce document français, une proposition de référentiel pour évaluer les enseignants dans leur capacité à mettre en place des activités d'éducation aux médias dans l'école ou l'établissement. Vous voyez que c'est un domaine qui est très important pour nous, évidemment. On considère que l'éducation nationale est un apprentissage fondamental, à la fois pour l'évolution de la société et pour la construction du futur citoyen, des futurs citoyens que sont nos élèves dans nos classes. Voilà, alors, peut-être, je ne sais pas s'il y a des questions par rapport à ce que je viens de dire, comme il ne nous reste pas beaucoup de temps, je vais vous montrer un certain nombre de ressources disponibles. Il me semble que je l'avais, voilà. Alors, premier, vous avez cette fiche-là qui a été traduite. Alors, bien évidemment, en français, malheureusement, pour ceux qui ne parlent pas français, nous avons un site qui va nous permettre de mettre en place beaucoup, il y a beaucoup d'outils, beaucoup, vraiment beaucoup d'outils à disposition des enseignants. Alors, évidemment, c'est tout en français, donc c'est un peu compliqué, mais on est à la fois sur des outils très pratiques pour mettre en classe, mais également des outils de réflexion, puisque nous travaillons avec des chercheurs, nous travaillons avec des universités, nous publions un certain nombre d'ouvrages, et on peut travailler à partir de ça pour essayer de voir comment est-ce que je peux être efficace dans ma classe. Autre source qui, là, du coup, peut vous intéresser un peu plus, c'est le site de courrier international, où par pays, du coup, si vous ne pouvez pas obtenir les journaux disponibles, vous avez, comme je vous le montrais tout à l'heure, attendre qu'Internet se connecte bien. Voilà, un certain nombre de journaux de votre pays qui renvoient vers les sites d'information. Donc c'est l'occasion de... Alors je pense qu'il n'y a pas tout, vous savez vu que moi, je pense qu'il n'y a pas tous les journaux qui sont en ligne ici, mais il y en a déjà quelques-uns qui permettent de faire un travail en classe. Et puis du coup, pour les professeurs qui apprennent l'anglais ou qui apprennent d'autres langues, je ne sais pas s'il y a du russe qui se fait ici, j'imagine, peut-être. Peut-être de l'allemand, vous pouvez trouver des médias et faire tout le travail qui a pu être fait à partir des médias dans la langue dans laquelle vous enseignez la discipline. Hein. Donc ça me paraît être important. Du coup, il y a un autre site que vous avez pu voir sur ce document qui va permettre de regarder également en temps réel, du coup, les unes de différents médias. Alors, on va essayer de mettre là. C'est Newseum, comme un musée, qui lui va me donner Today's
front pages, c'est les pages d'aujourd'hui. On en a nature dans tous les pays, donc vous avez accès à ces unes et vous pouvez aller voir, par exemple, la une en gros plan. Voilà, là c'est sur le journal californien. Vous voyez que là aussi on est très sur des. Alors c'est en anglais, mais on est très sur des sujets qui sont plutôt des sujets racoleurs, comme on dit, qui cherchent à vendre un certain nombre de journaux. Mais vous avez là toute une série d'éléments assez importants dans ce domaine-là. Voilà, donc je voulais vous montrer ça parce que ça me paraît important pour avoir un certain nombre de choses. Alors ensuite, on a des sites qui nous permettent, alors c'est plutôt du coup en français, hein, mais pour un certain nombre de professeurs de français, vous avez TV5Monde, donc je pense que TV5Monde est diffusé ici, et dans la langue hein, du pays. Non, en anglais. En français. En français, d'accord. Vous avez une entrée qui s'appelle langue française, où là vous avez des enseignants qui ont réfléchi sur comment découvrir le français, des jeux de lettres, apprendre le français, voilà. Et puis, à partir d'émissions qui sont diffusées sur TV5Monde, on vous montre un certain nombre d'exercices possibles, d'écoute. Parlons français, c'est facile. C'est pas si facile que ça, mais voilà. Où vous avez toute une série de jeux possibles, des exemples de reportages, d'émissions de télé, qui vont vous aider à pratiquer cette langue. Du coup, on a l'équivalent également avec la radio. Et alors, je ne sais pas si vous connaissez RFI. Oui. Alors, du coup, le site a changé, il va falloir qu'on change de lien parce que ce n'est plus rfi.com, ils ont modifié ça depuis peu de temps, parce que quelqu'un a racheté les droits. Alors, je ne sais pas si ça s'ouvre. Voilà, il s'est ouvert ici, mais c'est pas bon, c'est rfi.fr. Et là, même chose, en partie langue française. Si ça veut bien y aller. On a le journal radiophonique en français facile. C'est-à-dire que ça a été réécrit pour un public francophone qui a plus de difficultés à comprendre le français, la langue. L'intérêt, c'est qu'on peut le télécharger pour l'écouter. Et on a également le script. C'est-à-dire que tout ce qui est écrit, tout ce qui est dit en radio est ici reproduit. C'est-à-dire que vous avez le texte de ce que dit le journaliste. Donc ça, c'est intéressant. Alors, là, je vous le montre en français, mais c'est un travail qui peut être fait à partir de n'importe quelle émission de radio, évidemment sur des sujets courts, hein, où on va le décortiquer, un peu comme on l'a fait pour la télévision. On va essayer de comprendre comment construit. Alors, est-ce qu'il y a des radios, j'imagine qu'il y a des radios en Lituanie, il y a des radios et qu'il y a des journaux d'informations radiophoniques qui se font. Donc, extraire, écouter un reportage, et puis comprendre les différents sons qui sont agencés, qui sont construits, et demander, alors soit vous demandez aux élèves de retranscrire le texte tel qu'il est dit, soit vous retranscrivez vous-même le texte. Et vous allez travailler sur ce qu'on appelle la ponctuation sonore. Alors, chez nous, la ponctuation, je pense que chez vous aussi, a beaucoup d'importance. Et notamment, essayer de repérer, chez nous, on a beaucoup de signes qui nous permettent de nous dire est-ce qu'il faut qu'on respire, est-ce qu'il faut qu'on lève la voix, qu'on baisse la voix, quand on lit. Et donc, on se rend compte que les règles de l'écriture ne sont pas la même à la radio. Et pourtant, un message radiophonique en termes d'actualité est très écrit, sauf qu'on écrit pour parler. On le fait comme quand on écrit un texte, comme pour le théâtre, par exemple. Donc il y a tout un travail à faire autour de l'observation des mots utilisés en radio, de l'intonation donnée par celui qui parle, et de la construction même des différents sons apportés. Pour créer des images mentales, pour avoir un texte qui soit adapté à ce que l'on veut dire en termes de messages importants, et puis également
pour être percutant, parce qu'on sait que quand on écoute la radio, c'est le média qui, qu'on écoute rarement tout seul, on fait souvent autre chose, soit on repasse, soit on fait la vaisselle, soit on conduit, et donc il faut être encore plus percutant par rapport à ce que l'on veut dire. Donc tout est encore beaucoup plus construit que toute autre chose en termes de radio, et construit, vraiment, c'est écrit, mais il faut le dire de manière orale. Donc ça, c'est un très très bon exercice qui permet de travailler sur la prise de parole et sur la manière d'écrire. Est-ce qu'il y a des choses que vous voulez qu'on précise, qu'on apporte plus peut-être par rapport à ça? Alors, sur cette cytographie, je vous ai également mis, pour ceux qui sont intéressés, un certain nombre de liens des médias français. Ce matin, on a évoqué les médias qui n'existent que sous forme papier, enfin, qui ont aussi leur complément Internet, mais qui ont les deux versions. Il existe sur Internet, je ne sais pas si c'est le cas pour la Lituanie, des médias qui n'ont qu'une version électronique. Donc, on appelle ça des pure players, hein, qui ne sont accessibles qu'en ligne. Donc, on a comme ça en France, en plus des différentes une qu'on a pu voir ce matin, des différents journaux existants, on a toute une série de sites qui sont en décalé, que l'on ne connaît pas forcément, et notamment, je pense que c'est quelque chose qui va très vite arriver, à la fois dans l'évolution, alors je vous le montre en français, mais je suis sûr que ça existera dans différents pays, c'est-à-dire que on est là sur la construction d'un site internet sur des sujets qui sont un peu décalés par rapport à l'actualité habituelle, et surtout, ce ne sont pas que les journalistes qui construisent l'information, ils appellent ça une information à trois voix. C'est-à-dire que n'importe quel citoyen peut participer à l'écriture d'articles sur ces sites-là. Alors évidemment, vous imaginez bien qu'on va pas prendre n'importe qui avant qu'il soit publié, ça va être validé, ça va être relu, mais c'est une possibilité. Donc ça, c'est la deuxième voie, c'est-à-dire qu'on donne la parole aux citoyens. Alors, c'est une fausse prise de parole, hein. C'est vrai que leur argument, c'est le média est maintenant rendu public, il y a quand même un tri des gens qui écrivent, hein, et puis très souvent, on revoit les mêmes personnes. Mais en même temps, c'est quand même une autre entrée possible d'existence. Le journaliste, ça va être là que pour vérifier les propos qui sont tenus et contrôler un petit peu si c'est visible pour un public adapté par rapport à la cible donnée. Et la troisième voie, en termes d'écriture journalistique, ce sont les experts, c'est-à-dire les spécialistes. Ben, ça peut être un universitaire qui a fait une recherche dans tel ou tel domaine, ça peut être un scientifique qui connaît un point particulier d'études et qui décide de le faire partager à différentes personnes. Donc, il existe, et je pense que ça, c'est l'évolution des médias, hein, parce que quand on s'intéresse en termes d'éducation aux médias, on s'intéresse aussi à l'évolution que peuvent avoir les médias, notamment avec l'arrivée des technologies d'information et de communication. On est vers une ouverture de l'écriture au peuple, on va dire en règle générale, entre guillemets, voilà, ouverture à d'autres écrits que les écrits typiquement journalistiques, enfin, faits par des journalistes professionnels. Donc, je ne sais pas si ça existe dans votre pays, mais je pense que ça existera rapidement, parce que ça fait partie de l'évolution qu'on voit dans beaucoup de pays à ce niveau-là. Alors après, voilà, sur cette cytographie, ça, il est dommage qu'on ne soit pas dans une salle informatique, que vous puissiez, vous, chacun, naviguer sur les différents liens que je vous ai donnés, mais il n'y a pas de souci par rapport à... Vous pouvez le faire de chez vous, et puis évidemment sur les sites français ça va être un peu plus compliqué, mais je vous invite à essayer de profiter un peu de tous ces travaux que l'on essaie de mettre à disposition des enseignants pour mutualiser une démarche autour de ça. Alors, juste revenir sur ici. Vous avez un autre document, je n'ai pas là. Vous avez une fiche sur la radio qui
qui doit s'appeler « Comprendre l'écriture radiophonique ». Donc, cette fiche-là, elle vous détaille, hein, on ne va pas le faire maintenant parce qu'on n'a pas le temps, et puis en plus j'ai encore un exercice en français, et du coup vous allez être lassé par ces écrits françaises si vous ne parlez pas la langue. Mais on a là aussi une démarche qui correspond tout à fait à ce qu'on a pu faire en photo et également en télé, hein, de grille d'analyse qui permet d'analyser chaque partie de ce message radiophonique. Donc je vous invite à la tester, et il me semble que, je ne sais pas comment fonctionner, mais peut-être que suite à ce colloque, ça vous a donné envie de pouvoir tester, de pouvoir essayer un certain nombre de choses. Je crois qu'il faut se lancer, hein. Il faut pas avoir des grandes ambitions, il faut commencer par des petites choses qui fonctionnent, et ensuite pouvoir aller un peu plus loin dans vos travaux. Et je crois beaucoup aussi à la mutualisation des choses. Pensez bien que dans un établissement, dans une école, vous n'êtes jamais seul. Donc essayez de travailler en groupe peut-être, et puis d'utiliser les compétences des uns et des autres. Souvent la réticence est autour de l'outil, autour de l'utilisation de l'outil. Vous avez toujours des gens, des enseignants qui ont ces compétences-là. Et parmi vos élèves, ils ont aussi toute une série de compétences que l'on n'a pas forcément, il faut savoir. Partager aussi ce genre de compétences et mutualiser ces différents éléments. Je ne sais pas si j'ai été clair, je ne sais pas s'il y a d'autres interrogations peut-être. J'aimerais bien qu'on échange un peu autour de ça, que vous me donniez vos impressions. Est-ce que c'est quelque chose qui vous fait peur? Est-ce que vous vous sentez un peu plus confiant dans la mise en place d'un certain nombre d'activités, qu'on prenne le temps, comme ça, 10 minutes de réflexion autour de comment est-ce que moi, dans ma classe, par rapport à ma discipline, c'est ce que je voulais faire enfin, qui soit un peu un bilan de mon intervention, que vous preniez le temps pendant 5-10 minutes de réfléchir par rapport à votre niveau d'élève, par rapport à votre discipline, par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place. Est-ce que vous sentez, par rapport à ce que je vous ai présenté moi, des possibilités d'intervention, de mise en place pédagogique dans vos classes. Donc, on prend 5 minutes de réflexion et puis après on échange autour de ça, à une réflexion comment vous, par rapport à vos propres préoccupations, vous pouvez mettre ça en place dans votre établissement ou dans votre classe. 5 minutes et puis après on essaie d'échanger autour de ça.